Le prince consort Henrik de Danemark, décédé ce mardi à Copenhague, était bien connu dans le lot où se trouvait son domaine viticole de Caix, à la table de la reine Margrethe de Danemark, le caor règne en maître. Lors des banquets d'état qu'elle donne pour des présidents ou monarques étrangers, ce vin du sud-ouest de la France est toujours au menu. Et à chaque fois, il s'agit de bouteilles produites sur le domaine du château de Caix, une propriété viticole du lot. Un domaine sur lequel veillait depuis des décennies le prince Henrique, à lire, quand Henrique de Danemark se confiait à Paris-Mattec l'époux de la souveraine danoise, décédée ce mardi 13 février 2018 à l'âge de 83 ans, vouait une véritable passion au vin. Né Henri de la Borde de Montpesa le 11 juin 1934 à Talence près de Bordeaux, ce dernier avait acquis avec Margrethe, en 1974, le château de Caïx, ou Caïx. Situé sur la commune de Luzec, le couple engagea une importante restauration du bâtiment alors en ruine et, dès 1975, replanta les vignes, excellemment exposées au sud et surplombant un méandre du lot, ce vignoble, constitué à 80% en cépage Malbec et à 20% en Merlot et Tana, s'étend aujourd'hui sur 21 hectares. Pour les journalistes du Cru, Henri qui était le roi du Malbec énonçant à ses lecteurs, ce mercredi 14 février. La mort de celui que les journalistes du CRU avaient baptisé le prince vigneron ou roi du Malbec. Le quotidien, régional La dépêche du Midi diffusé en Occitanie rappelle qu'Henrique, renouant avec le passé viticole de sa famille, fit planter une vingtaine d'hectares de Malbec et fut l'un des premiers sur l'appellation à faire du blanc. Et de souligner aussi que sa cuvée majesté fut considérée comme l'un des meilleurs vins produits en 2011. A voir, le prince Henrique de Danemark s'est éteint, retour sur sa vie en 30 photos toute reproduction interdite.